soir, Talents organisait la première conférence autour de l'intelligence artificielle et de la banque avec des acteurs majeurs. Cet événement s'est déroulé en partenariat avec l'École des Mines. Le plateau qui était amené, c'était du pur talent. Et vraiment un très très bon boulot. Je suis très satisfait de cette collaboration. Et ici aujourd'hui, on avait aussi bien des gens qui étaient vraiment dans la banque, qui voulaient savoir comment l'intelligence artificielle pouvait impacter leur métier. Et des gens comme moi qui essayaient de voir dans le cas de la relation client-fournisseur, dans le B2C, comment ça pouvait se passer. Et c'est aussi surtout l'occasion de nous rencontrer et d'avoir un moment convivial. Il y a pas mal d'innovations qui finalement inspirent aujourd'hui la banque, qui sont tirées d'autres industries, et notamment d'industries comme l'automobile, et également de tout ce qui peut être drivé par les GAFA. Et je ne mets pas de M derrière volontairement, mais il y a une vraie influence aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle sur tous les choix qui sont positionnés et toutes les stratégies des GAFA. Les cas les plus enrichissants, c'est les échecs. C'est-à-dire que partir d'un échec et l'analyser et le comprendre, c'est là où effectivement on a pris à la fois le plus de recul et on a compris ce qui n'avait pas marché et comment changer ça. Talents Consulting nous accompagne sur un sujet aujourd'hui bien précis, qui est le sujet de la prédictibilité du comportement du système d'information afin d'obtenir pour nous une meilleure qualité de service au service de nos collaborateurs, bien sûr, et de nos clients. Donc nous avons un certain nombre d'expériences et de projets en cours et des moteurs d'intelligence artificielle actifs, notamment sur la fraude, sur la préparation des entretiens aux clients et également nous allons mettre en place aussi un certain nombre de choses autour de la robotique et de l'accueil en bureau de poste et en agence avec Spoon, qui est notre partenaire sur ce sujet. Spoon est une équipe d'experts en robotique interactive et robotique sociale. Depuis environ 18 mois, on s'est lancé dans la création d'une nouvelle génération de machines qu'on appelle des créatures artificielles. Dans ces créatures artificielles, on travaille beaucoup sur la dimension animale de l'interaction. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se sentir regardé par une machine? Est-ce qu'on peut se sentir pris en considération? C'est l'incarnation des assistants digitaux. Les tendances sont très différentes suivant l'ADN de chacune des banques sur la volonté à prendre en compte la dimension sociale. La banque a une particularité assez forte, c'est d'utiliser un nombre de données extraordinaire. Là, on a de la donnée sur l'humain. Et c'est là où Talents peut apporter une vision et un savoir-faire tout particulier, qui est l'utilisation de ces données, d'une part pour qu'on puisse, avec de l'intelligence artificielle, l'utiliser au mieux pour l'ensemble de nos clients bancaires, et demain, donc au service de l'ensemble des clients qui utiliseront ces données. Et c'est ça qui fait que les années à venir, autour de l'intelligence artificielle et autour de cette masse de données, sont particulièrement passionnantes. And we'll do it together.